Alors, petite vidéo. Aujourd'hui, je suis allée, pour ceux qui suivent Chanel, retrouver Chanel et faire la tournée des Grands Ducs. Les actions, les... Bon, bref, ça nous a... Enfin, franchement, merci Chanel, quoi. J'ai passé une très bonne après-midi, je me suis changé complètement les idées. On a beaucoup rigolé, je suis un piètre chauffeur. C'est-à-dire que vu qu'on discutait beaucoup, bah, j'ai loupé la sortie. J'ai pris une sortie plutôt sur l'autoroute. On a refait un tour complet. Je me suis à nouveau trompée. On est ressorti par une autre bretelle avant de reprendre l'autoroute et de retrouver le bon chemin pour l'action. Donc ma foi, on a beaucoup ri. Je lui avais amené quelques bricoles Chabi que j'avais fait. Pour elle, pour son futur petit espace, etc. Et elle m'a fait quelques bricoles et bah, elle m'a concédé des jolis tampons. Vous savez que celui-là, je pense que demain, je vais en faire une carte pour une petite dame. Pour une petite dame, hein? Alors ça, j'adore. C'est style, vous savez, les vitraux Tiffany. J'ai acheté un papier... Comment? Mince. Un papier collant là, c'est qu'on chasse les bulles d'air, on peut mettre dans les meubles. Et cette belle enveloppe pour les junk journal, c'est parfait. Ça, c'était les petits plus. Après, je vous montrerai. Bon, bref. J'ai eu aussi, ma foi, toutes les jolies choses qu'elle sait faire, quoi. Faut que vous aimiez le chabien. Hein. Regardez-moi ça, quoi. Le travail, l'ingéniosité, c'est des petites fleurs montées, des perles en bois, de la dentelle pour l'abat-jour, avec, elle nous l'a expliqué, des pots à yaourt. Enfin, il fallait vraiment en avoir l'idée. Regardez comme c'est magnifique. Un petit luminaire. Tain, voilà. Je ne sais même pas par où tout quoi prendre. Ça, non, ça, on prend en dernier. On a deux jolies petites décorations dont elle seule a le chic, hein, qu'on soit bien d'accord. Là, vous avez... Ça m'embête. Ça y est, je vais avoir plus de place parce que là, j'avais autre chose à montrer peut-être après. Voilà. Un superbe embellissement avec de la petite dentelle rose, une capsule. Et dessus une fleur, et ça, c'est des petites découpes qu'elle nous a déjà montré qu'elle fait en avance, des petites feuilles vertes. Donc ça, je trouve ça super joli. C'est tout, en fait, c'est ça, hein, Chanel Crabbe, c'est toute une minutie du petit détail, des jolis embellissements que vous trouverez nulle part ailleurs, quoi. Là, c'est un petit truc métallique sur lequel elle a monté une petite fleur en crochet et à nouveau une fleur. Et ça, c'est magnifique. Si ça, c'est aimanté, vous mettez ça sur un aimant et ça peut fermer une page, un rabat. Enfin, c'est superbe. Voilà. Ensuite, on a... Je ne sais même plus. Je ne sais même plus. J'ai été gâtée de chez Gâtée. De chez Gâtée. Vous avez compris? Regardez-moi ça. Alors, j'ai dû dire une sucette, mais je ne sais même pas. Ce magnifique embellissement complètement chabi avec une petite bonne femme qui a les mains dans, une petite fille qui a les mains dans un manchon et une petite Chanel. Hey, j'ai vu Chanel en vrai. Oh, c'est un pur régal. C'est un coton à caresser. Elle est belle, elle est paisible dans son coin. Oui, je sais, Nathalie, des fois elle fait le bazar, mais c'est pas grave. Et voilà, moi ouais, j'ai vu Chanel en vrai. Donc à côté, voilà, on a le petit, on va dire la petite Chanel à nouveau. Voilà. Parce que ça après, moi ce que je veux faire, c'est que je vais le ranger. Et quand j'aurai vraiment bien installé ma scrap room, je vais vraiment essayer de faire une mini étagère avec où je mettrai comme ça les jolies choses. Alors attends, non. Je vais les remballer. La vidéo qui va durer 15 000 ans, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ce que je veux pas les perdre et je veux surtout pas que ça s'abîme. Ce qui me faisait le plus peur, c'était le petit lampadaire. C'est vraiment que ça s'abîme avant de rentrer parce que comme j'avais plusieurs sacs, parce qu'après on s'est fait, je vous dis, hein, la tournée des Grands-Ducs. Hein.
Donc, il y a eu de l'action, il y a eu du pique-nique, voilà. J'étais missionnée, j'ai raté ma mission, désolée Stéphanie. Hein, pourtant, je te promets qu'on l'a cherché, ce dail. On n'y a pas trouvé. Et un tag happy enveloppe, happy loaded enveloppe, enfin bon, bref, voilà. Avec, alors ça, vous savez que j'en suis folle amoureuse, puisque tout simplement, j'en avais fait un pour le notebook que j'ai fait de Marielle. Je vous avais dit, j'ai fait comme Chanel et c'est exactement ça, quoi. C'est super, super joli. Avec cette petite perle violette, là, voilà. Avec un petit ATCT que je trouve trop, trop, trop beau. Ensuite, là, on a à nouveau un petit ATC qui est vintage, il y a une petite pendule. Et je me souviendrai toujours le premier jour où je t'ai vu. Enfin, je trouve que pour immortaliser le moment, celle-là, elle est très bien. Ensuite, on a une petite clé travaillée avec un nœud derrière en crochet, enfin en dentelle crochet. Et là, on a une petite rosace avec une fleur. Elle est juste superbe. Là, on a une super pince à linge que Nathalie a trouvée en vacances. Elle s'est trouvée plein de petits trucs, en fait, plein de petites boutiques. Vous savez, des fois, on n'y pense pas, hein, mais réellement, moi, j'avais une quincaillerie à côté de mon travail. Enfin, non, elle a fermé. Franchement, je trouvais plein de trucs là-dedans. Regardez, là, avec un petit bout de dentelle, une fleur, une rosace, une perle, un nœud. Enfin, c'est une petite pince à linge. Et en plus, la petite pince à linge, elle est pailletée. Donc, c'est tout ce que j'aime, quoi. C'est super joli. Bon, bah alors là, sans compter l'intérieur, là, où vous avez toute la décoration, des roses, des petites... Enfin, une rose tissu, un nœud avec des brillants. Enfin, vraiment, tout ce que j'aime. Là, pareil, la dentelle avec des petites perles roses. Rose blanc, c'est trop beau. Je suis sûre qu'elle a passé des heures dessus. Enfin, voilà quoi. Là, va toujours notre derrière. Et donc, derrière, j'ai plein, plein de jolies moules. Vous avez les camées, vous avez. Du coup, elle m'a bien expliqué. J'ai vu les pattes qu'elle achetait, tout ça. Enfin, ah, désolée pour le bruit. Tant j'avais essayé qu'il n'y en ait pas trop. Voilà. Là, avec des paillettes. Là, regardez-moi ça comme c'est super joli, quoi. Ça, sur un bord d'album 15-15, c'est. Et voilà. Là, un petit cœur en plâtre. Oh, en plâtre. Oui, enfin, vous m'avez compris, en pâte, mais. Et vous savez, en fait, elle fait ses moules elle-même. Elle a trouvé le truc. Elle donne la recette, hein, faut retrouver. Pour mouler les choses qui vous plaisent. Et puis bah, comme ça, après, vous pouvez les décliner ad vitam aeternam. Parce qu'il y a une paire de choses qu'on a vues, hein, on s'est baladé dans plusieurs magasins, qu'il y a quand même des trucs, on est d'accord toutes les deux, faut peut-être pas exagérer, quoi. Je sais pas si c'est pas des rosaces, un moyen qu'on a vu. Enfin, le truc, c'est hors de prix. La rosace, vous prenez une paille, une feuille, et vous la faites toute seule. Enfin, c'est genre, il y en a quatre, et vous payez le truc, peut-être 6 euros, enfin, je ne sais plus. Et des trucs, des fois, c'est quand même... On marche sur la tête. Donc voilà, il y a des petites roses, il y a des camées, il y a des. Puis alors moi, tout ce qui est encadrement comme ça. Oh, j'ai pas vu. Ça me des lapins. Petit lapin. Des cœurs, des roses. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, ça fait du bruit, Audrey. Je sais, pardon. Oh, il est beau ce petit nœud-là. Des roses, un camée. Oh, une petite sucette. Enfin, vraiment, j'ai de quoi faire. Donc désolé, je refais un peu de bruit. Et après, je vous montrerai. Oh, il y a le petit nounours. Eh, non, mais n'importe quoi. Petit nounours, elle aime beaucoup les petits nounours. Hein? Si quelqu'un veut lui faire des petites surprises ou des choses, pensez au nounours, les amis. Pensez au nounours. Si vous ne sentez pas l'aise et que je chavis, voilà. Il y a des petites choses comme ça à penser. Et je vous donne des tuyaux toute seule, moi, mais. Ben, tu peux pas les suivre toute seule, tes tuyaux? Mais oui. Donc voilà, ça c'est l'ensemble. Attends, pas que ça s'abîme parce que non, non, je suis pas d'accord. Voilà, comme ça.
Voilà pour cette rencontre avec en souvenir ce magnifique bracelet. Parce que ce soit Kat ou Nathalie, j'ai toujours un œil sur leurs bijoux. Parce que je suis une mère bijoux. Et ben, la plaque, la nacrée verte, bleue, jaune, va parfaitement avec la pierre de ma bague. Donc ça, si c'est pas parfait, si c'est pas le bracelet parfait que vous risquez de voir beaucoup aussi. Et puis je trouve que c'est parfait, bracelet d'été, enfin j'aime beaucoup quoi. Voilà pour ce qui est du petit échange comme ça, qu'on n'avait pas spécialement décidé qu'on en faisait un. Hein. C'était sur l'idée se rencontrer, se donner quelques trucs. Moi j'ai été vraiment ravie de cette rencontre. C'est ce que je vous ai toujours dit de Chanel Scrap. C'est vraiment, voilà quoi. Quelqu'un de gentil qui échange, qui partage, qui fait pas de chichi et. On n'a pas fait. Enfin, voilà. C'est. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que j'aurais peut-être pas vu depuis une semaine. Et. genre, on s'est pas vu depuis une semaine. Bah, reprends là où on en était par rapport à la semaine dernière. C'est vraiment agréable. Et ma foi, hein, moi, je vous souhaite tous, si vous avez des gens que vous appréciez, de pouvoir les rencontrer parce que. Ouais, passer une petite après-midi ensemble, ça fait un bien fou. Voilà pour cette petite vidéo. Je vais probablement faire une deuxième, toute petite après, sur. Je vais pas vous faire des grands hauls, hein, parce que vous savez très bien que je vous ai dit, je vais pas vous remettre ce qu'on a vu chez tout le monde. Par contre, j'ai trouvé 3-4 trucs chez Pickwick parce que bah, moi, j'y étais jamais allée. Donc, ça m'a fait l'occasion, hein, elle m'a fait la tournée des Grands-Ducs et découvrir, même si je suis un piètre conducteur et que je me perds. Donc voilà. On va regarder à tout ça. Je vais aller retrier en rangeant et je vous montrerai ce que j'ai trouvé que je n'ai pas vu dans d'autres vidéos. Et encore une fois, je ne suis pas abonnée partout, donc peut-être que vous les aurez vus ailleurs. Mais moi, je vais déjà faire une sélection et vous montrer vraiment ce que j'ai pas vu chez les autres. Eh bien, ma foi, je vous souhaite déjà un bon début de soirée. La vidéo, elle arrivera certainement dans la foulée. Et puis, voilà, bisous!